sur le terrier de Choupi et Anna pour l'ouverture de la case numéro 11 des calendriers de l'Avent. Voilà. Donc, alors on va commencer par les bonnes choses. Notre calendrier de l'Avent de Kinder. Alors, la case 11. Donc, celui-là, il est pas mal parce que les chiffres sont marqués en gros. C'est sympa. Ça peut être sur le côté. Ça évite de chercher. Voilà. Vous voyez, elles sont écrites comme ça. Donc, ça, c'est bien. Ouais, vous cherchez, mais moins difficilement que les autres calendriers. C'est tout à fait à son honneur. C'est lisible. Voilà. Alors, on va arrêter d'avoir l'esprit de sacrifice hein, parce que, bon, quand même. Oh, c'est rond. J'ai l'impression que t'es. Waouh! Il est trop beau le chocolat. C'est un lutin. Voilà. Un joli petit lutin. Voilà. Ah, il est trop bien. On va le garder. Hein, ah parce ouais. Que bon, il est trop joli même. Voilà. Le suivant. Oui. Bon bah du coup je continue avec mon calendrier de l'Avent Harry Potter. Donc la case 11 est ici et c'est un gobelin. Alors pendant qu'Anna monte son petit gobelin, on va ouvrir la case numéro 11 de notre petit Père Noël avec la loco. Voilà. Alors la case numéro 11, elle est là. Ah, là, on change. Qu'est-ce qu'on a? Ah. C'est la lune. Une lune. Pas ma lune, hein. C'est une lune. Voilà. J'ai fini. Alors, mon petit gobelin, c'est grippe sec. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est quand il ouvre le coffre-fort à Harry dans le 1. À mouton. Je vais ouvrir celui-là. La gourmandise. Ma peine. Oh, tu vois pourquoi je l'ai refermé, je suis comment. Ouais, l'ouverture est un peu. Un peu con. Un peu con. Ça ouvre et. Donc, nous avons. Deux mini bueno. Voilà. Je vais mettre à côté parce qu'on va pas les manger parce que sinon ça va être le bordel. Ouais, là ça commence à bien faire puis ça donne soif et sucrerie. Ouais. Attends. Alors, ensuite, on va ouvrir donc Dobby, la case numéro 11 qui est. Là, elle était en haut. Pas la trouver. Voilà, donc celle-là. Encore une noire et blanche. Ouais, elle est belle. Avec les lunettes de Harry et la cicatrice. Les lunettes de Harry. Et celle-là. Tu la gardes. On fait chaque. Oui, mais tout à l'heure, j'ai pris laquelle moi. C'est toi que tu as pris la première qu'on avait faite. Ah oui, d'accord. À moi, une petite gourmandise pour la route. La case numéro 11 se trouve ici. Et c'est comme Molly, c'est une petite lune du coup aussi. Voilà. Donc après, vas-y. Donc on ouvre le calendrier de chaussettes comme ceci. Harry Potter. Le 3 il est où? Neuf, six, un, sept, ça doit être celle-là, je crois. Ouais. Tu n'avais pas de numéro? Bah ouais, tu vois celle-là. Ah, elles sont très très dures par contre. Ouais. Alors, encore du noir et blanc.
Je rajoute les patates parce que j'ai les dents. Dans l'autre calendrier. Donc, C'est celle de Voldemort. Donc, voilà. comme je disais déjà, je vais les donner à Molly parce que ça sert à rien d'avoir des chaussettes en double. Avec marqué, vous savez qui? Oui, j'ai oublié de le You dire. know who? Voilà. À toi. Ah, je vais pas avoir froid, mes petits pieds s'y verrent. Hein. Donc, dans ce petit calendrier-là, de l'avant, En fait, j'attends. le Noël magique d'Harry Potter, la cave numéro 11. C'est un petit carnet. Black note, toujours. Ouais, un petit bloc-notes. Voilà. Il est bien celui-là, je trouve. Pour ben, Pour noter vos rendez-vous ou trucs comme voilà, ça. marquer les petits trucs. Voilà. Donc, C'est pas voilà. terminé. Il y en a un dernier. Qui est celui des babioles. Bon, vous voyez, ça a des. S'il est déglingué, le machin, il a fait la guerre mondiale. Le 11. Là, on s'est trompé, c'est tout petit. Barillon. Je ne sais pas si là, ce que j'allais dire. On est dans les parages, sûrement. Voilà, ça doit être ça. Voilà, le livre d'or. Un sticker. Un sticker, le livre d'or. Alors, ce Donc, calendrier-là, est vraiment dégommé ouais, hein, vous parce que. voyez, il s'ouvre très très mal. Donc, Et ouais, puis du coup, il y a des faut. trucs, des fois, ils sont disparus en fait dans les cases. Ouais. Il y a pourtant l'air d'y avoir des petites choses sympas dedans, mais l'ouverture est pas au top. Voilà, donc ce sera tout pour l'ouverture de la case numéro 11 et on se retrouvera demain pour la suivante. À bientôt et bonne soirée.